Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Nous avons aller directement dans Port-au-Prince. Il y a une dizaine de bandits qui sont morts dans le boucle de coup de balle avec la police. Il y a plusieurs munitions, des armes, ils ont saisi tout. Et d'après information qui est sortie, bon côté direction, la police nationale dans le pays d'Haïti, ils ont fait 1500 arrestations pendant deux derniers mois qui sont passés là au septembre avec novembre. Porte-parole de la police nationale, là, inspecteur Gary Desrosiers, et présenter un bilan partiel dans l'opération la police a mené dans quelques mois qui sont passés là, au mois de septembre pour arriver novembre 2022. Il y a plus d'une dizaine de bandits, j'en ai dit tout à l'heure là, qui joignent l'homme au dans le bouquet de coup de balle. Il y a plusieurs armes avec munitions, la police a saisi, et il y a plus que 1500 personnes qui ont joué dans l'arrestation. Dernier dossier, ça a monté dans la date dossier de drogue, tout qui a traité, il y a 7 dossiers. Qui vient pour avec activité drogue qui détient au niveau BLTS, qui c'est une entité en dans DCPJ, il y a 27 276 kg marijuana et 1,2 kg de cocaïne, 30 165 dollars américains à 49 950 gouttes qui la police a saisi. De l'autre côté, la police a recensé plusieurs cas d'accidents à chacun pour avec. Circulation qui t'a voué 23 personnes aller dans le pays sans chapeau, gain 15 dans le département de l'Ouest, gain 43 qui blessés sur toute route nationale. Nous avons allé dans l'autre point de dominer l'actualité, toujours dans sa gain pour avec plusieurs opérations, la police a mené dans le pays. Eh bien, tu as gain 82 policiers qui ferment dans la prison. Et d'après, et sous l'ordre de la justice, d'après le porte-parole de la police nationale là, Gary Desrosiers, porte-parole là, inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers, t'a fait point à hier sur un ensemble de dossiers qui déjà traité dans le niveau police nationale là, qui 82 policiers pour qu'on là, qui fermaient dans prison, captant la justice et réagir sur le cas. Et puis, pour nous finir avec le dossier, ça tout, t'as gagné plusieurs policiers. Il y a un coup de filet, la police a fait, qui t'a impliqué dans l'affaire trafic de drogue. Et côté, il y a un commissaire police avec 5 policiers qui impliqué dans l'affaire de drogue, ça, d'après les dernières informations qui t'a venu de nous. L'institution de la police a demandé pour t'a révoqué le commissaire police Pierre-André Cadet pour implication dans le trafic de drogue. La police nationale a réclamé tout également révocation plusieurs autres policiers. Notamment Jean-Désir, Fadé Jean-Louis, Simon Demosthen, Alex Samon Premier, Isaac Dieudonné. Monsieur Sario, vous avez arrêté dans un rapport qui est publié à mercredi 7 décembre 2022. La police nationale a exigé l'autre côté révocation Johnny Janvier, qui sortit dans la 8e promotion PNH pour implication dans l'assassinat Fernand dans le mois janvier 2022. La victime est joint dans la molle dans le véhicule la police. Et policier, hein, Claude Jean-José dit Kong Dagana, eh bien, actuellement, li nan marron, il a cherché la couche info, il a révoqué en même temps Peterson Pierre à France Pierre qui sorti dans la 26e promotion pour homicide. Concernant le niveau institutionnel, toujours, concernant le dossier jeune journaliste qui était perdu la vie, que nous songeons, et côté que ça a été pratiquement pour peine, la presse là, dans la société, côté que dans quatre travails, côté que le policier ça, Joël ça lui-même, était victime, qui c'est au bon son de Romulus. Il y a plusieurs actes d'enquête qui sont réalisés déjà dans le cadre de César. Sous peu, l'inspection générale a en mesure pour que le bail gagne avancement dans le cadre d'enquête. Il y a plusieurs mobilisations, policiers, et moi. Et gagner l'autre plateau que les journalistes qui victimes de certains comportements de policiers qui peut être plaidé au niveau général, tous ces arrêts, il y a traité et pour mon reporter, on a prêté la population au courant en toute transparence. Et ce général, nous, à travail, sur un certain dossier qui impliquait
et plusieurs policiers dans le trafic d'armes à condition et de concert avec le CPJ, nous plusieurs et derrière et enquête à avancée administrative au niveau de l'inspection générale. Et concernant le dossier et président Jovenel Moïse, qui était assassiné malheureusement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à la Caraïbe, rapport enquête là au niveau inspection générale finie, la joint ministère de la Justice pour suivi administratif. En total, nous gagnons 82 policiers qui écroués aux ordres de la justice dans le centre de détention. Parmi eux, gagnent pour publicité 7 qui condamnent. L'inspection générale fait un ensemble de recommandations pour qu'ils soient capables de faire des renvois pendant l'institution. Mais au fur et à mesure, nous avons beaucoup de ensemble de Mounsao qui ont recommandé pour que ils révoquent l'eau en institution. Et gagner et Johnny Janvier, et policier 8e promotion, et s'était impliqué dans l'assassinat Fernand et Théogène le 2 janvier 2022. Cela on peut faire pour que vous ayez déjoint pour ça dans la machine dessous. Gagner Clotaire Jean Josieu, que tout le monde connaît dans l'artiste, qui c'est Tom Canada, qui c'est policier 20e promotion, qui lui-même était impliqué dans l'homicide qui était fait sur un jeune qui est Bertine Elie, Canadé Vert, côté que tout le monde était pratiquement parlé de ça. Et il fait un cavale, l'inspection générale fait une recommandation pour révoquer Clotaire Jean Josieu, alias Tom Canada, qui c'est un artiste dans le cap. Gagné Peterson Guerre, qui c'est 30e promotion, et il a demandé pour révoquer lui, et pour ici. Guerre Transguerre, 26e promotion, inspecteur Orlick Guerre, qui il est affecté dans la prison civile de SEMA, pour l'association d'affecteurs, et qui vient pour tout à Gang Guerre, donc les Kokourak Saras, qui pouvait lui baser dans trois députés, dans trois péris, dans le Riboudaïve, zone d'Antibonite, et Guerre Jean Garden, qui est 28e promotion, pour la vie policière. Guerre, le commissaire de police Pierre-André Cadet, et il met tout pour le trafic illicite de stupéfiants, et qui vient là dans de leurs policiers, qui c'est Jean Désir, et puis avec un frère Jean-Louis, écoutez que il ont fait recommandation pour révoquer Mozaro, également Simon Austin pour trafic illicite, et Alexandre Grenier, 22e promotion, et Isa Dieudonné, 24e promotion, tout pour trafic illicite. Au nom du gouvernement et de la population de la République de Chine de Taïwan, j'ai le plaisir de remettre à la PNH 408 kits de protection individuelle. Chaque ensemble d'équipements se compose d'un casque pare-balles, d'une capuche, des lunettes, d'un gilet pare-balles, d'une armure pare-balles combinée, y compris un protège-cou, un protège-bras et un protège-entre-jambes et des accessoires connexes, ainsi que 10 valises balistiques pour la protection des VIPS. Ce temps est le signe du ferme soutien que le gouvernement taïwanais apporte au gouvernement haïtien afin qu'il puisse réussir dans sa mission à retrouver la sécurité en Haïti. Ce lot d'équipement de protection individuelle de la police a été confectionné à Taïwan. Ces équipements ont été fabriqués sur commande spécialement pour l'usage de la PNH en s'adaptant au climat d'Haïti. Utilisons les technologies de dernière grille pour obtenir un effet de protection plus légère mais bien amélioré. Certifié en normes les plus élevés dans le monde entier, encore plus avancés par rapport à l'équipement militaire et policier actuellement en service à Taïwan. Dans le cadre de la remise des 418 jeux d'équipement de protection individuelle à la police nationale haïtienne, ce support rentre dans le cadre du processus
de renforcement de la capacité opérationnelle de la police nationale. Au nom de la police nationale tout entière, au nom du gouvernement et à mon emploi, je tiens à vous remercier, à remercier le gouvernement taïwanais d'avoir contribué au renforcement de la police nationale. Et nous profitons aussi de ce moment pour fêter notre bonne collaboration depuis tant d'années. Sur ce, je vais encore continuer à vous demander de travailler ensemble avec nous pour renforcer notre lien d'amitié, notre coopération. Encore une fois, je vous dis. Bon, nous allons aller dans Saguenay pour avec le dossier Gazan, puisque dans le dernier jour, ça y a activité Gazan vient pas être une grosse tête chargée dans le pays d'Haïti. Depuis plusieurs jours, on a fait face avec un ratement gaz dans plusieurs stations de service dans la ville provinciale, même dans Port-au-Prince. Nous constatons que fil machine continue à défiler dans la station de gaz. Galon jaune réparé encore, même si dans quelques provinces, on peut même rester porte fermée à cause que pas de gaz. Situation plus compliquée dans le grand pays, hein, département la Tibonite, à cause d'un climat insécurité, hein, qui s'est pas mis en balai ou bien que par canard, machine par transporter gaz vient dans le département. Kounye la, moun nan ki te konn itilize transon route tan pou pase parmi an balè al Port-au-Prince, oblije al pase par Saint-Michel de la Talaye pou yo plonje desann pase Inch mi an balè pou yo rentre Port-au-Prince. A koz bandi sa vyen yo okipe route li an kouran, moun yo pa vle pase nan li an kouran ankò. Se vreman yon traje long Saint-Michel pase par Inch, pase parmi an balè pou rentre Port-au-Prince. Donc, en dépit de décisions gouvernementales pour augmenter le prix gaz à plus que 100% sur le marché local, là, et bien, produit ça, vin kounye là, là, même si il y a un camion qui a sorti, mais fait son nom, par contre, qui côté camion ça y est allé dans la capitale là, même avec la ville provinciale, tout pour nous constater, gaz à pas disponible dans la station service, malgré décision gouvernementales pour dire que le pape paye subvention. Pour le gaz, il y a fermé, il n'y a pas de gaz. Et pour être capable d'assurer la distribution de gaz là dans le pays. Hein. Donc, la grande foule continue à chercher gaz là. Couche info tout côté dans le pays. Hein. Mouvement galon jaune reprend forme encore dans le pays. Hein. Situation ça, on a fait encore révolter plusieurs citoyens et qui ont demandé est-ce que vraiment, pas de jambes de gaz qui vend dans la pompe gasoline. Est-ce que commerce ça vient connait là un commerce légal puisque station service pas en mesure pour vendre gaz là et autorité a constaté avec géo dans quelle situation moun a vivre dans pays alors que c'est comme population capé autorité quelques communes par exemple commune Bonaïve là même depuis un bon bout de temps pas gagné gaz même. La station de gaz a plein le fait que le gaz n'a pas qu'à venir. Ils ont même proposé l'autre moyen pour gagner une zone de stockage dans Gonaïve pour permettre que le gaz a venir. Il y a le plus loin, pour qui ça que ne pas utiliser un série de petits bateaux pour mettre le gaz pour venir vers Gonaïve. Donc, ce n'est pas une question qui n'a pas de réponse. Il faut dire tout, le gasoline a vendu dans la rue à 2500 gouttes, diesel là, c'est tête chargée. Tandis que kérosène n'a même pas existé, même dans la ville de Gonaïve. Nous allons aller dans la Tibonite, le syndicat chauffeur taxi moto dans la ville de Saint-Marc, commandé gouvernement Ariel Henry pour dégager le coup qu'on a fait prix gaz à tourner à 250 gouttes dans Popio, même si il n'est pas capable de joindre. Sinon, il a pris prendre un mouvement qui a été fait dans la rue le mardi passé. Président syndicat chauffeur Motoyo, Octal Julien, dit le parcours dans l'équipe ça, qui a dirigé le pays. Pour demander au Premier ministre Ariel Henry prend mesure pour libérer la route nationale numéro 1. Nous allons vite dans un reportage à collaborateur nous, Milsa Madis. N'a continué bataille contre l'équipe Ariel Henry pour gaz la tourner, jante avant dans Popio 250 gouttes. C'est déclaration président syndicat chauffeur moto dans Saint-Marc, Octave Julien, qui était dans la RIA à Yamadia pour dénoncer montée gaz la dans cette Nissan SAGA. Président syndicat Octave Julien dit le parouet équipe de facto ça,
bien volonté pour soulager misère population. Non, si tu n'as pas agi à côté que un gallon gaz passé avec 3000 gouttes et nous dit que c'est inadmissible parce que l'État te dit que le gaz là disponible. Si l'État te dit que le gaz là disponible, nous croyons que le gaz là disponible dans toute pompe qui est dans la ville Saint-Marc. Malheureusement, ce n'est pas ça qui fait. Nous même dans le niveau SSCTNH, qui est la société syndicaliste de chauffeurs de taxi pour une nouvelle Haïti, nous demandons avec le gouvernement Ariel Henry à presser fort qu'il tourne sous décision pour permettre que le gaz soit capable toujours à 250 gouttes. Et 250 gouttes là, il faut qu'il soit accessible avec la population. Et l'autre bagage que nous avons dit tout, nous avons demandé avec le gouvernement Ariel Henry, il faut qu'il permette que la route là soit capable de débloquer dans le niveau canarien. Parce que si on l'état, eh bien, tu as poussé diriger. Et faut que vous gouverner dans le niveau que tout le monde est capable de jouer un service. Et je dis à ces en particulier qui jouent un service là. Nous-mêmes, je vais taxer dans la ville, je dis à ces marivantes, parce que nous ne sommes pas capables encore. Nous ne sommes pas capables de gagner 2500 gouttes à 3000 gouttes. Et nous avons un contrat pour nous honorer. Et maintenant, sans ça, nous demandons avec la population de Saint-Marc là, faut que vous levez voir, il faut que vous accompagnez, je fais taxi. C'est maintenant la bataille que vous avez mené. Monsieur Octave Julien dénonce tout comportement policier, il dit. Qui t'a brutalisé chauffeur taxi moto yo nan mouvement yo t'a fait ailleurs. Ah oui, et hier n'a nous t'ai prend la rue côté que eh bien quelques policiers t'ai bastonné chauffeur taxi yo, t'ai crasé motocyclette. On a vu un message clair par le commissaire police dans ville Saint-Marc à savoir Mathias Jean-David pour nous dire que faut qu'il prenne responsabilité pour connait que chauffeur taxi yo son devoir constitutionnel que gagne pour manifester pour revendiquer droit yo. Lorsque les bagages qui pas marché bien dans la société, c'est important pour lui passer avec police instruction pour ne pas manger un chauffeur taxi. Parce que le chauffeur taxi, c'est moteur transport pays. C'est au même pas de transport. Dans le cas contraire que les policiers continuent de mauvais soins avec le comportement qu'ils ont gagné, eh bien, nous-mêmes, le ça nous connaît pour nous faire ce que de droit, côté pour nous voter plein pour eux. Président syndicat, Octave Julien, pas écarté possibilité pour recommencer avec nouveau manifestation dans la RIA. Si toutefois, revendication pas joindre satisfaction. Merci en pile, Milsan Madeus. On a pu aller dans l'autre, on a toujours été dans le dossier Gaza. Il y a un coordonnateur mouvement unifié transporteur haïtien, syndicaliste du club Benissois, qui accusé acteur dans le secteur privé, dans la question Gaza, comme monde qui est responsable Gaza, qui toujours pas gagné dans le propre dans le pays d'Haïti. Responsable syndicat, dans la question Gaza, tablé pour augmenter le prix Gaza encore dans l'idée pour renforcer le profit, il y a fait d'après syndicaliste du club Benissois. Nous pouvons inviter autant de déclarations syndicalistes du club Benissois. Ce cas de nous garder dans la cité jaune. C'est comme si pas qu'il y a encore une question de transport public dans le pays d'Haïti. Il y a deux bagages qui expliquent. Tout d'abord, il y a un phénomène d'insécurité et puis, il y a une question de gaz. Deux mois, nous faisons, nous pas qu'il y a un gaz, car le gaz vient de dans la ville de province. Il y a 5 000 gouttes. Pour nous, nous sommes au Brest, pour nous aller en Amène, pour nous payer une machine, pour nous dépenser 5 000 gouttes pour nous payer pour aller gérer mes parce que même bagage, je dis à quoi gérer mes 500 dollars au pays, pour gagner, pour payer machine, non. Je fais à tous les mêmes gagnants pour le capable de payer mon salaire, pour le capable de payer. Le gouvernement a aucune déposition ni que le point de gaz là, je ne l'ai pas subventionné encore. Nous avons encore plus de monde qui applaudit dans ça, international applaudit, aucun bel. Comme si nous valions. Mais pendant nous valions là tout, nous allons continuer à faire le même genre. Pendant une semaine et demie, il y a près de 15 millions de gallons de gaz qui sont disponibles. Il y a une ville pour mettre, parce qu'il n'y a pas de gens du tout, mais pendant près, tout le profit est presque alimenté. Comment faire dire, une semaine et demie après, ou dans des garages de gaz encore, mais on appelle la queue des gaz. Donc c'est inacceptable. C'est inacceptable, et qui ça dérive, ça motive par ça. Je ne parle pas de ce moment parce que l'État peut demander au point de plus gaz. On accepte ou pas de dire comment encore pour commander. Comme ce n'est pas l'État qui commande, c'est le secteur privé qui commande, et c'est au même songe, et ma première adresse à la police noire, pour la vérité. Monsieur Caroli te dit, gaz a augmenté, parce que gaz a augmenté. Effectivement, gaz a augmenté. Mais quand on a un gaz a augmenté, il y a un problème, et nous sommes toujours dans le syndicat, nous sommes toujours sur l'État haïtien. Je pour gaz a augmenté, mais c'est pour que mafieux ont ça. Et c'est qu'on a l'un n'a pas les gens qui parlent, parce qu'on a l'un, comme c'est international qui parle, qui dit que c'est voleur, c'est criminel, et tout le monde reconnaît que c'est criminel. Mais l'absence d'État haïtien, tout prend des décisions pour commencer à arrêter. Faut que ça va un gaz. L'État dit qu'il faut que gaz avance 570 gouttes, 670 gouttes. Monsieur Sayo qui n'a gaz à parler, ça eux-mêmes. Ils ont besoin pour gaz à augmenter encore. Ou bien l'État augmenter et s'arrêter pour l'augmenter. C'est ça qui est gagné la journée aujourd'hui à gaz à 670 gouttes.
depuis côté yo gagnent là yo vendu $4.48 pour garder $4.48 ça pas exactement 672 gouttes puisque dans mon plan c'est 70 gouttes l'état dit pour le vendre. Nous mettons en garde gouvernement qui en place là. Il y a comprendre si yo quitte bagage ça continuer cette pont ça. C'est vrai nous dans mondial on a fait un football mais après football là et il a pas fonctionné. C'est vrai nous parlons nous en fin d'année. C'est vrai nous parlons en carnaval mais il a pas fonctionné. La monté l'état haïtien gouvernement haïtien pas occupé mon ça au cap mandé pour augmenter gaz encore dans pays parce que ça moins des points je t'avais ça ma question et puis on mal calculé. Nous lançons appel à yo question augmenter mais des profits mon qui dans gaz yo parce que ça pas qu'à cet pays mais je fais trop compte déjà. Il y a besoin d'augmenter près de 100 gouttes en plus de ça qui est. C'est ça tout qui finit. Qui a comme information, bien entendu, c'est pas prêt de me confirmer. Si on confirme, mais ici, les nègres qui ont fait rumeur, on met les bons vérités de l'argent. Si les nègres ne pas à appeler au point de gaz à vous, ils ne pas exiger les abonnés pour l'État, permettre que vous jouez $20. Les gens ont besoin de rien, sinon ils ne peuvent pas commander. C'est eux-mêmes qui commander. Nous avons des déclarations syndicalistes du Club Bénissois qui est coordonnateur mouvement unifié transporteur haïtien. N'a quitté le département Latibonite, nous parler dans le département NIP pays en responsable cellule en réflexion politique NIP se répond monsieur Wilfen Sambombre applaudit décision pays États-Unis à Canada prend pour saisir comme compte homme d'affaires avec politicien haïtien qui tape pas d'après en un pour pays d'Haïti. Wilfen Sambombre mandé pour la justice haïtienne pour en responsabilité dans dossier ceci là. Plus de détails à correspondant nous, Natacha Jean-Jacques, depuis le département du pays. Wilfens Montbrun, dirigeant cellule réflexion politique NIP, se répond, dit applaudit décision pays États-Unis à Canada prend pour servir contre homme d'affaires à politiciens haïtiens, l'idée qui pat dans l'intérêt peuple là. Dirigeant se répond, souhaite autorité la justice haïtienne pour responsabilité dans le dossier ça. Wilfens Montbrun. C'est de mauvais vivants, c'est de monde qui peut lapider de tout ce pays, c'est de monde qui fait des crimes financiers, mais en même temps, c'est de monde tout qui mélange dans ces deux sens, qui a alimenté le banditisme, qui fait que les questions bases illégales là, les villes prennent les routes, les villes font routes, et puis qui viennent alimenter quand c'est populaire, parce que un monde ça a peu de questions réduction de compte là, et quel le fond de lapider si la justice haïtienne. C'est vie contre eux, d'abord que je réponde, et pour ne pas répondre, ils ont obligé, tant que mon dit, c'est mettre la pagaille, et mettre en situation où tu es là, les troubler. Et parce que ça qui est capable de faire que ne pas répondre par devant la justice, c'est lorsque, en situation d'insécurité qui fait tout le monde peur, personne ne va pas dire à occupation. Donc, c'est un plan, c'est un plan. Alors, mais ça qui gagne en faction que la communauté internationale, là, ou bien les États-Unis, ou bien le Canada, c'est à la fois une occasion pour que justice haïtienne l'a dit, c'est vie contre Montalo. Responsable cellule réflexion politique NIP se répond Wilfen Sambombre plus loin mandé population haïtienne là pour caler géo et puis suspendre voter monde capsal image pays a. Merci en pile Natacha n'a quitté département NIP pays en nous parler dans département sud là yo groupe planteur nan Dietrich qui sont localité première section dans commune Okay dénoncé façon kay a construit dans Makayo côté qui t'a là pour faire du riz. Président et paysan yo qui regroupé dans mouvement paysan santé dit yo gen mission fait agriculture avancer dans zone non planter yo fait qu'on ainsi pas gain rien qui fait et bien agriculture ou bien culture du riz capable disparaître net dans département sud pays a. Plus d'états correspondant nous Natacha Bitoré Rosbetta Denistan depuis département sud pays a. Nous groupe planter dans Dietrich localité première section commune Okay dénoncé façon Okay a construit dans Makayo côté qui t'a fait du riz paysan yo qui regroupé yo dans mouvement paysan santé Dieu gen mission pour faire agriculture avancer dans zone là parce que nous situation là vraiment difficile vraiment déplorable vraiment pas acceptable nous même paysan santé nous dit n'a mobilisé nous n'a sensibilisé le pays et surtout dans le département sud là nous avons vraiment capable de collaboration pour nous vivre ensemble pour nous avoir un pile merveille dans le département et c'est dans mon travail pour nous bailler le département manger.
Pour paysan sa yo, c'est une série diaspora qui a acheté tes sa yo pour construire kay. Le soulier tout une usine vétiver qui construit dans zone là, cap jeté de l'eau chaude dans canal là. Ça qui pas bon pour qu'il suzuria à petit poisson qui dans l'eau. Rémi yo sorti dans diaspora, là yo vini yo pas connait qui côté pour acheter. Yo vini, yo entré dans matériel là, yo entré dans bim là. Yo acheté camion matériaux, yo vidé dans bim là. Yo comblé bim là pour yo déjà vétiver. Nous gagnons une usine vétiver qui monte dans l'espèce sous là qui font mouiller terre qui pour faire du pas pour manger là. Yo prend une usine vétiver, yo mettez là-dedans, a jeter de l'eau chaude, a touiller petit poisson nous yo. A pisser des diri yo, pas ça pas manger pour moun manger. Jodi là, yon ti mamin diri sac a bon $160. Si moun yo pral l'école, yo pa gen manger pour yo manger. Si bagay ki a touyer nous, gen des moun ki tombe dans wolo. Plantay ou fait konnen si pa gen rien ki fait. Qu'il se dirait qu'il est capable de disparaître dans le département. Parce que en pile zone qui te compte pour du diri déjà habitable. Et vin pas gagner, et précisément ma caille dans le pays, parce que nous avons plusieurs quelques côtés pour nous faire du riz. Nous perdons dans le pharmacie, nous perdons dans le fourroche, nous perdons au valet dans le Québec, pour nous travailler. Mais là, nous-mêmes, nous venons arriver, nous venons voir que les gens pays à aller là, arrivons là. Pour nous acheter du pays, il y a 50 mètres pour nous acheter du pays. Nous obligeons nous-mêmes de fonder une organisation dans la zone, comme si nous avons qui pour défendre pour nous ne pas venir bâtir en position salope. Groupe paysan yo présenté mouvement ça dans le sud pays. Dans le moment où produit moun manger, yo monte tête net sur marché. Malgré moun pas presque travaille encore, ces produits agricoles, département tant que banane véritable qui soulage en pile famille en bas gros grand goût qui dehors. Merci en pile Rosebeth, on a retourné dans le département de Tibonite, qui est président association entrepreneur dans le département de Tibonite. Pierre-Aubert Auguste qui déclaré association entrepreneur qui a un gros quai cassé sur l'avenir du département de Tibonite qui voulait isoler côté tout accès pour aller dans la capitale là bloqué avec gang armé. Pierre-Aubert Auguste a dénoncé gros problème de santé qui vient dans le département côté médicaments pas qu'à entrer pour Alvon dans la pharmacie. Le président de l'association entrepreneur de Tibonite présenté 4 points pour montrer dans quel niveau société dans le département de Tibonite a vivre. Pendant souhaiter association en tout pour aider Bahia HPG qui c'est l'hôpital La Providence dans Gonaïve pour faire tourner un vrai hôpital référence. En tant de déclaration Pierre-Aubert Auguste. Association entrepreneur de l'Antibonite voulait partager quelques préoccupations inquiétantes avec nous-mêmes et avec l'opinion publique en général. Première préoccupation, c'est que jodi a la Tibonite censée isolée par le fait que non seulement gang occupé Canara empêché transport public la fonctionner normalement, mais encore gang vient envahir axe Lienko Mibalea avec M. Grand Griffio qu'on y a la Tibonite fermée sous côté sud là. De notre côté, sous côté nord là, qui a un pont Limbéa, qui a un problème, qui empêchait que le transport la fête dans la direction nord. Autrement dit, pour tout entrepreneur qui gagne, approvisionnement est impossible. Conséquence, je dis à bon série de médicaments ou pas foutu joignons dans Gonaïve dans la Tibonite. Nous gagnons aux conséquences qui peuvent permettre nous que la présence de gang dans la Tibonite là pas innocent, c'est que nous affectons la production du riz pour faciliter la distribution du riz étranger. Donc, il y a décapitalisé les paysans. La situation est vraiment intolérable. De notre côté, nous gagnons l'hôpital HPG Gonaïve. Je dis, nous avons dit sur la grabat. Il n'est pas un hôpital de référence encore. N'importe qui est obligé d'évacuer sous Saint-Marc. Nous avons demandé aux autorités concernées. Prends ça.
en main et que nous-mêmes, non seulement au niveau association entrepreneur d'Antibonite, mais encore au niveau société civile, là, nous avons debout et notre organisation société civile, là, nous prêts pour nous offrir collaboration nous, pour nous réhabiliter l'hôpital HPG pour le tâtonner pour l'hôpital de référence de Gerson. Troisième cas, c'est agression qu'a fait contre tout le monde qui parle l'école. Faut nous faire nous comprendre que Timounio pas non seulement avenir pays mais l'école yo représenté un facteur important dans l'économie région. Donc le professeur qui a touché, bien l'argent qui a circulé, gagner l'autre activité de service que l'école là supporte. Enfin, nous gagnons un problème de poche d'insécurité et de gangs qui a formé un peu partout dans Gonaïve. C'est le cas de Praville. Nous gagnons Bretagne. Nous gagnons nos zones de Bienac. Nous gagnons là, tout créa, bon, l'école de droit. Donc, nous t'a demandé que pour autorité policière réagit avec intelligence et fermeté et essayer autant que possible gagner collaboration population pour que phénomène de sécurité a pas venu installer au Nogonac. Enfin, nous gagnons nous-mêmes à réfléchir sur qui meilleure stratégie qui a gagné pour que l'économie a relancé. Nous croyons que le pas indispensable pour autorité au bail pour certaines franchises, c'est-à-dire permettre que taxes et pour qui gagnent que fait que un petit peu en retard, permettre que des monde qui gagnent accès à renouvellement fonds de roulement que l'État même poteront aide bail mais en fait qui remboursable avec un taux d'intérêt qui est presque insignifiant. Pour permettre que l'économie a relancé. On va aller dans Balatibonite, deux personnes blessées à balle, plusieurs dizaines de familles abandonnées à Kayo, hier, après que Neg Gangrifio, bandit Savio, a débarqué sur la nationale numéro 1, qui a envahi la route nationale numéro 1 dans la zone post-sondé, pour tenter d'intimider les gens qui vivent dans la zone qui ont mis des barricades pour empêcher M. Sayo d'arriver. Or, la loi Sayo, une fois que tu es arrivé, tu as commencé à tirer, c'est mais l'intérêt fait tout le monde courir. Des zones. Malfrayo qui te gagne radin rouge sous yo avec bleu te tire en pile en rafale coup de zam et automatique la coup de zam ça ta gagne un monde qui blessé pendant attaque si là. Une fois que la police te fin recevoir à l'aide des situations ça, te gon patrouille policière qui te déplacé qui te allé kafou pays pour voir s'il était capable au moins riposter avec monsieur bandi ça yo bandi améo yo déterminé pour continuer fait zak malhonnête pendant que tenté prendre d'assaut commissariat police qui gagne dans mon pays dans zone Ponsondé sur national numéro 1 était tenté envahir Sainte-Ville Tivia la Tibonite côté te gon l'autre monde qui blessé avec balle situation ça t'est obligé forcer plusieurs dizaines de familles abandonner caillou avec jardin puis al jouer l'autre côté à pour pas victime en bas main bandit sans foi les noirs monsieur Savien après initiative en planter yo te prend pour te bloquer route nationale numéro 1 pour protester contre bandi sa vient yo qui vini piller voler pour te aller tout ça au gagner n'a parlé de bandi gangrifio et bien monsieur ça a été débarqué yo si met en pile coup de balle a fait en pile monde courir rentrer la caillou même abandonné et caillou malgré ça la police n'a pas de pourtant pour te débarquer et puis riposter. Nous allons vite autant d'un reportage à collaborateur non 1100 Maléus qui va nous donner plus de détails sur ce qui est passé ailleurs dans la zone triviale, plutôt dans la zone post-sondé. Dans l'idée pour faire l'autorité, prendre mesure pour mettre fin à Zak Malonek, bandit, à poser dans la vallée, paysan planté, vallée la Tibonite, à Angé, bloquer toute route nationale numéro 1, sorti terre noire, post-sondé, Mopay, Kafoupay, Rivé Savary, pour nous dire ça seulement. Paysans plantés, fait qu'on est bandits, fait qu'on est plus pauvres.
à cause de obligé par le travail, il y a un paysan planté qui fait partie du mouvement Lever Campé ça, qui parle de l'oncité, t'es parlé comme ça. Oui, imagine nous planter, il n'y a pas qu'à planter. Toute théorie ta terre pas qu'à travailler. Tout le monde dans cour, on regarde c'est des petits grands monde qui pas dormir devant votre caille monde. Gè monde c'est sur place sur les guerriers, yo obligé chaque soir au jeté corps monde qui pas gè monde la ville ou pas bon on côté qui était qu'à descendre. Bagay monde, casé business monde, voler à faire monde, côté tout jeune nèg ça encore yo même encore cap vieux les petites monde, vieux les femmes, destin nous amène nous bloquer route nationale numéro 1. Nous mandi ensemble avec ministre Ariel, tant que nèg la Tibonite, nèg petite rivière de la Tibonite, Ricapoa. Ariel, bon conscience, ça veut dire exactement pour bon bagaille pour faire. Font bagaille pour le département, font bagaille pour la caillou, quand on te sorti. Bandi ça vient yo débarquer dans zone Kafoupey, tiré dans toute direction, tout paysan courir quitter localité ya. Commissaire police principal arrondissement, Mathieu Jean-David, présenté Jean-Sylvain 27 l'année, comme bandi actif dans base Grand Griffe, ça veut la ville commune de Rivière la Tibonite, que Idmo Saint-Marc accompagné police Inara. Mettez mes souli dimanche 4 décembre 2022 à la commune en cours. Merci en pile 1100 Madeus nous pour aller dans Port-au-Prince département l'ouest paysan. Depuis dimanche la police en opération la mené dans zone Lafito Montoui sous matla côté opération ça ta gain plusieurs bandits qui t'a perdu la vie qui t'a recevoir balle dans main police tant qu'au soit Idmo avec Utag monsieur Sayo mené gros opération dans zone Lafito Minotri sous matla dans l'idée pour ouest capable déloger monsieur Village de Dieu qui prend zone ça pour bilan opération ça institution la police en pays a informé dans échange coup de balle avec bandio gain plusieurs là d'ailleurs qui t'a tombé gain là d'ailleurs qui blessé dans zone ça la police grâce avec unité agent Lou Angel Lou qui rive déblayer route là et depuis quelques jours que monsieur ça a été bouché été fouillé gros trou et bien la police a bouché et tout ça yo activité progressivement commencé reprendre dans zone Cararan dans zone sous matla la fito en plus opération la police a tout fondi la police a réalisé plusieurs activités dans zone nan pour permettre que moun yo capable reprendre activité pa yo. Vérité sous tambour, c'est toute nouvelle pays ak nouvelle internationale dans 30 minutes 63.5 radio pyramide chaque jour 9h matin. L'autre point de domine actualité gagné un pays Canada qui t'a pris sanction contre plusieurs hommes d'affaires businessmen dans pays d'Haïti et Mounsayo yo t'a en connivence avec gang. C'est ça que le ministre affaires étrangères pays Canada lui-même fait connaître. Donc Mounsayo c'est un monde qui t'a dans le secteur privé Ronald Reynoldi shérif Abdallah avec Gilbert et Bidjo d'après Mélanie Zoni qui annoncé et il fait connaître que le Canada pourrait imposer l'autre sanction supplémentaire côté que Mounsayo qui est passé là, il est parlé là, il pourrait geler tout bien dans le pays Canada et il pas capable de rentrer dans le pays parce que tu as en connivence avec gang, Mounsayo tu as en financement gang dans le pays d'Haïti et puis tu as participé dans l'autre mouvement qui t'a gagné corruption là-dedans. Gagné un journal dans le pays États-Unis, c'est à Miami Herald qui fait connaître que le gouvernement américain a un gros problème pour le sanctionner quelques moun la kayli qui ta en connivence avec gang moun sa yo ta gagné soit en nationalité américaine ou bien moun la dayo ta gagné résidence permanente dans l'armée. Donc dans ce ça pays États-Unis fait qu'on est que li pas capable sanctionner moun sa yo, celle-ci ta gagné autorité dans pays États-Unis qui ta déposé plainte pour moun sa yo. Sinon moun sa yo gen possibilité pour ta traîner gouvernement américain devant la justice si toutefois l'État prend sanction contre eux-mêmes. On a retourné dans Port-au-Prince, gain bandi dans zone Matissan 3e circonscription Port-au-Prince dans l'entrée sud capitale là qui prend décision pour faire la paix. Chris là, Izo, Tilapli annoncé pour faire la paix, mais ça pas empêché ailleurs t'a gain un camion marchandise qui détourné. En plus faut dire après plus que 18 mois, trois groupes gang ça y ont mis tête ensemble. On a parlé de bandi Gravine, Village de Dieu à Katibwa, yo tout tap goumen youn avec l'autre pour capable connait qui est ça cap gè contrôle Matissan et bien à lundi 5 décembre 2022 tous les trois monsieur ça remet tête ensemble yo dit yo pral faire la paix
Donc, en façon pour permettre à monde qui était abandonné Kayo depuis juin 2021, retourner la Kayo. Il y a quelques monde qui était algadé, est-ce que c'est vrai? Et monsieur Sayo t'a fait la paix. Il y a qui constaté que trois monsieur Sayo t'es campé ensemble, t'a bay accolade. Mais jusqu'à présent pour que j'aime des détails pour qu'on qui ça qui t'a poussé monsieur Sayo et fait la paix ça. On dit que depuis un bon bout de temps, monde qui vivent dans la localité 3e circonscription Port-au-Prince zone Matissa, t'es obligé à jouer soit dans cette sportif Carrefour, soit l'autre côté à cause bandi gravine avec village de Dieu plus Tibois. Tap boukante coup de balle dans zone ça et même prend sous commissariat Matissan. Mais ça pas empêché hier après-midi malgré contentement ça te gagne dans zone Matissan, bon côté bandio, yon camion qui était chargé marchandises détourné toujours c'est monsieur Grand Avenue qui t'a fait zaxi là. Gen moun k'ap pose question, est-ce que c'est pas dans piège, y a prend yo à cause d'aller pour bon bout de temps marchandises pas passer dans zone si là.